Bonjour, c'est Mélissa des Enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va établir ensemble mon budget pour le mois de février, donc de cette année 2024. Comme vous le savez, je m'étais fait donc pour chaque mois de l'année une petite fiche comme ceci que je complète tous les mois. Donc je l'avais pré-remplie avec ce que je pensais qui allait plus ou moins se passer, donc les revenus et les dépenses estimées. Mais on voit que ici, par exemple, déjà en janvier, j'avais estimé les factures diverses à 360 euros, or qu'on en était plutôt à 585. Donc vous voyez que mes calculs n'étaient pas forcément bons. Et donc du coup, toutes les fins de mois, je vais revoir un petit peu le budget du mois suivant pour voir si tout va se passer comme prévu ou au contraire, pas du tout. Alors, je pense que ce mois de février devrait se dérouler dans l'ensemble plus ou moins comme je l'ai prévu, bien qu'il y a une ou deux petites choses qui vont changer, donc on va voir ça tout de suite ensemble. Alors, nous avons déjà reçu nos fiches de paye et du coup, mon compagnon va bien toucher 2200 euros, moi les 1600 également. On va bien avoir les 120 euros d'allocation familiale. Donc du coup, ici, ça ne diffère pas. On sera à 3920 euros de revenus pour le mois de février. Alors, ça ne va pas bouger. Le prêt travaux non plus, le prêt de regroupement non plus, Proximus non plus, Mobistar c'est bon. Luminus, on sera. En fait, je laisse ici, je note au fur et à mesure que ça se paye sur le compte. Donc, je vais laisser ici vite et je vais changer ici sur le côté les montants qui ne vont pas être bons. Donc, ici, au lieu de 250, ce mois-ci, on sera encore à 180 euros d'électricité. Donc, ça, c'est plutôt cool. L'assurance voiture, on est bon. Factures diverses, ça va augmenter un petit peu. On sera plutôt aux alentours des 462 euros si j'ai bien compté. On va être 460 hein, pour arrondir à la place des 400. L'eau, on est bien à 60. Mutuelle hospitalisation, 80, c'est bon. Emprunt 100, Netflix. La loterie nationale 50 et le sport 122. On est bon comme ça. Du coup, on va voir un petit peu ce que ça change. Alors, quand je fais mes petites additions, je fais toujours, j'arrondis vers le haut. Je n'arrondis pas vers le bas, j'arrondis vers le haut pour être sûr de laisser assez d'argent sur mon compte. Donc, 135 plus 47 plus 900. Plus 80, plus 70, plus 180, plus 85, 60, 80, 100, 25, les 50 euros de la loterie nationale. Et les 122 euros du sport, on est à 2994, donc arrondi à 3000 ici. C'est très bien, donc ça n'a pas changé grand-chose. J'avais quand même arrondi déjà de base le total. Donc on sera bien à 3000 euros de dépenses. Et donc vu qu'il nous reste 3920 moins les 3000 euros de dépenses, il nous restera bien 920 euros en reste à vivre. Du coup, écoutez, ici, ça va pouvoir rouler comme prévu. 200 euros pour les courses, 80 euros pour la santé, 200 euros pour le shopping, 200 euros pour essence, pardon, 20 euros shopping, 30 euros fast-food. On ne mettait rien dans divers ce mois-ci, 30 euros pour Lexi, Georgie et moi. Pour un total de 620 euros de dépenses variables. Et dans mes épargnes, ça devrait se passer comme ceci. Je devrais mettre 30 euros dans le fonds de secours, 30 euros dans la voiture, 50 euros dans les anniversaires, 80 euros dans les fêtes,
30 euros dans les loisirs et sorties, 30 euros dans les animaux, 25 euros dans la maison et 25 euros pour l'école et les stages. Donc logiquement, on est bon. Voilà, j'avais plus ou moins bien estimé. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'avais arrondi si haut 3 000 euros parce que j'ai que... Ah oui, si, si, parce que là, j'augmente de 60, mais là, j'ai diminué de 70. C'est pour ça. Donc oui, 3 000 euros. On est bon, c'est bien ce que j'avais anticipé. Donc, eh ben, écoutez, si tout se passe comme ça, le mois de février devrait se dérouler bien. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis assez contente de mon organisation comme ceci parce que ça me permet vraiment de voir mois par mois nos revenus, nos dépenses. Et au bout de l'année, je pourrais regarder, bah, par exemple, si je vois que j'ai des factures diverses, et bah, j'ai souvent compté trop peu, bah, je sais que pour l'année d'après, il faudra que je compte plus. Je pense que c'est un réel outil qui va être très, très instructif et qui va beaucoup m'aider à établir mon budget en 2025 si je le suis bien correctement. Ça va vraiment être un atout majeur pour élaborer mon budget de l'année prochaine. Je pense qu'au fur et à mesure des années, je deviendrai vraiment incollable sur mon budget. Cette année d'ailleurs, c'est déjà beaucoup mieux que l'année d'avant et l'année dernière était déjà beaucoup mieux que l'année encore précédente. Donc franchement, quand on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron, j'ai envie de dire que l'expression est vraiment bonne et c'est en faisant son budget qu'on devient une véritable budgéteuse et qu'on arrive à faire son budget super bien. Du coup, ne vous découragez pas si vous êtes au début du système des enveloppes, que vous avez encore des petites failles à gauche et à droite, que tout n'est pas toujours comme vous l'aviez pensé. C'est justement en faisant des petites erreurs que le mois d'après, on se rattrape, qu'on sait les erreurs à ne plus faire et ainsi de suite. Et au final, vous verrez que vous arriverez à établir votre budget et ben vraiment parfaitement. Et c'est ça qu'on recherche. Et ben vous voyez là, je suis super contente d'avoir de m'être penchée un petit peu sur mon budget de février parce que je sais pas pourquoi dans ma tête j'avais l'impression qu'on allait être très faussé comme au mois de janvier parce que là bon c'était vraiment il y avait vraiment des grosses dépenses en plus. Et ben écoutez, non, en fait le mois va se dérouler quasiment comme je l'avais imaginé et ça ben, c'est super bien. Bon, et ben écoutez, j'ai hâte du coup de recevoir nos salaires pour pouvoir aller retirer l'argent pour faire les petits remplissages. C'est vraiment, je vous le dis à chaque fois, mais le moment que je préfère du mois, c'est le moment où je mets mes sous dans les enveloppes et que je vois mes petites épargnes grossir petit à petit. C'est vraiment une satisfaction de se dire qu'on arrive à mettre de l'argent de côté et c'est une manière de se sentir mieux dans sa peau et mieux dans sa tête et mieux, je pense, tout simplement dans son ménage que d'avoir voilà, un gros souci en moins quand même sur la conscience parce que généralement, le problème d'argent, l'argent est une des causes de disputes numéro un dans les couples. Si déjà on enlève la partie budget-argent, de l'équation, hein, vu que tout est géré et que normalement il n'y a pas de problème, il n'y a plus de problème niveau d'argent, et ben, du coup ça fait un poids en moins dans la vie de tous les jours. Et moi en tout cas, et ben, je le ressens et ça fait vraiment du bien. Dites-moi de votre côté comment se présage ce mois de février. Est-ce que comme moi vous l'aviez bien anticipé ou est-ce qu'au contraire il y a des dépenses imprévues qui sont venues s'ajouter au tableau? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait vraiment super plaisir. Au moment où je tourne la vidéo, on est aux 5 300 abonnés. Ça me fait vraiment super plaisir. Je me suis fixé un objectif un petit peu fou pour cette année 2024, mais j'aimerais arriver aux 10 000 abonnés à la fin de l'année. Donc, comment vous dire qu'il va falloir que je fasse en sorte d'attirer le plus de monde possible. Je vais plus ou moins devoir avoir 3, enfin 400 abonnés en plus par mois pour arriver à mon objectif. Donc du coup, vraiment, si vous voulez m'aider à atteindre eh ben, ce fameux objectif, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui.
Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!